OK. Tu t'es peut-être déjà demandé, je suis crevé en ce moment, mais est-ce que je vais m'entraîner Ah, j'ai pas trop la forme. Est-ce que j'y vais ou quand y est Là, c'est dur, on est en train de penser à autre chose et on s'en veut parce qu'il faudrait qu'on s'entraîne un peu plus, il faudrait qu'on s'entraîne un peu plus fort ou un peu mieux. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de pensée là Un truc qui est magnifique là-dedans, c'est que il y a un remède. Et ce remède là, c'est faire de son mieux. Dans faire de son mieux, c'est une notion que je partage souvent, principalement avec les enfants, avec les plus petits, avec les plus jeunes. Faire de son mieux, c'est très important. C'est hyper important parce que si je fais moins, je ne vais pas avoir les résultats que je veux. Parce que je vais toujours avoir des excuses, toujours avoir des pensées qui vont venir pour me dire de ne pas faire l'effort. Parce que notre cerveau, il est feignant. Notre cerveau, il essaye de nous mettre dans une zone la plus confortable possible. Et ce n'est pas là, ce n'est pas dans une zone d'apprentissage. Pour être dans une zone d'apprentissage, il va falloir bouger un petit peu, aller à nos limites de notre zone de confort. Pas forcément la dépasser, mais essayer d'aller au bord pour pouvoir l'amplifier, l'amplifier, qu'elle devienne de plus en plus grande. Ça, c'est important. Et faire de son mieux, il y a deux côtés. Il y a le côté, ben aujourd'hui, je ne suis pas en forme. OK, ça, c'est OK. Aujourd'hui, je peux donner que 50% à mon entraînement. Ça, c'est OK. De ne pas être à 100%, c'est OK. Il faut être à l'aise avec ça. On n'est pas là pour performer à chaque entraînement, à chaque pratique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de passer un bon moment. Et le but, c'est de bouger. C'est d'être dans le mouvement. Ça, c'est fondamental. Qu'on soit en mouvement à 100%, c'est n'est pas fondamental. Qu'on reste en mouvement, c'est fondamental. Donc, faire de son mieux, ça déculpabilise. Ça permet de, ah, de dire, OK, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai 50% à donner. Aujourd'hui, j'en ai que 20 parce que je suis vraiment out. Euh, aujourd'hui, j'en ai 80 par contre. Ouais, aujourd'hui, j'en ai 90. Le deuxième aspect va être de, de, de se dire, aujourd'hui, j'ai 80% à donner. Et eh bien ces 80%-là, je me dois de les donner. Je me dois de les investir. Je me dois de les impliquer, de m'impliquer, de m'engager à cette hauteur-là. Pas moins. On n'est pas là pour se brader. On n'est pas là pour se diminuer. On n'est pas là pour descendre notre estime de soi. Je suis capable aujourd'hui de te donner 50%. Pas plus. Par contre, ces 50%, je vais te les donner à fond. 100% de mes 50%, je te les donne. Et ça, c'est hyper important parce que, en donnant un peu moins, on y rajoute une intensité. C'est-à-dire que sur le stock total d'énergie que j'ai, je ne vais pas pouvoir tout mettre. Mais par contre, sur le stock que je peux mettre, j'y mets tout, à fond. La même chose, si aujourd'hui j'ai une forme du tonnerre, je vais pouvoir donner 120%. Ce que je dis souvent et ce que je partage souvent à mes élèves, me donne jamais 120%. Donne-moi 100%. Parce que les 20% que tu as en plus, c'est les 20% de folie. Qui vont faire en sorte que tu vas te blesser. C'est là où on croit qu'on est où. Et généralement, c'est là où on fait le truc de trop. On, on y met l'intensité un peu plus que d'habitude. Et du coup, notre corps n'y suit pas, ou on commence à, à faire quelque chose qui ne va pas. Et boum, c'est là où on se fait mal. C'est là où ça devient accidentogène. J'ai 100%. Ces 100 là, je les donne à 100 C'est-à-dire que généralement, quand on va à 120 on rentre dans une zone un petit peu haute euh, où on est euh, on est on est en haut quoi. Et cette zone-là, il faut la maîtriser. C'est très important de d'optimiser quand je donne moins et c'est très important de canaliser quand j'ai trop à donner. Et ce juste milieu-là eh est baisser faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est-à-dire je donne moins mais je le donne à fond. Je suis pas à mes 100% de capacité aujourd'hui. Par contre, je viens m'entraîner parce que je reste en mouvement, ça c'est important. Mais je peux donner que 50, mais ces 50-là, je vais te les donner. Ces 50-là, je vais les mettre sur la table et je vais aller chercher mes 50%. Ou au contraire, aujourd'hui, je suis on fire, j'ai 120%, et bien ces 120%, il faut que j'arrive à les condenser sur 100%, mais avec une intensité folle. Ça c'est important. Et le fait de, de gérer un petit peu avec le faire de son mieux, ça me déculpabilise, mais en même temps je me dois de donner 100% de ça. Et c'est ces deux paramètres-là, ces deux leviers d'action-là, qu'on soit jeune ou moins jeune, que ce soit dans la capoeira ou dans autre chose. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé une nuit, euh, j'ai très peu dormi, je suis décalqué. Par contre, est-ce que je fais cet audio Est-ce que je fais, et du coup c'est une vidéo aussi, mais est-ce que j'enregistre ce podcast, oui. Est-ce que je suis à 100% Non. Est-ce que je suis à 100% de ce que je peux t'offrir Oui. Et je le fais parce que je reste en mouvement. Et ça, c'est important. Parce que quand je vais arrêter l'enregistrement, eh je serai fier de moi. Je serai fier de ce que j'ai accompli. Parce que j'ai fait, je suis resté en mouvement. Ce n'était pas le top. Je ne suis pas dans la haute performance. Non. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est à durer sur le long terme, à être dans ma zone d'apprentissage. C'est-à-dire qu'après avoir arrêté, je sais que je dois faire du montage, je sais que je dois faire des publications sur les, euh, les différentes plateformes. Et tout ça, ça va me permettre d'apprendre, de consolider une habitude aussi. Le pas le plus dur de la capora, on le sait, hein, c'est d'y aller. Le pas le plus difficile, c'est celui de se lever le matin et de faire ce qu'on qu a à faire, ce qu'on ambitionne de faire pour pouvoir avoir le résultat qu'on fait. C'est aligner nos actions avec nos objectifs. Ça, c'est important. Et du coup, moi, par exemple, ça passe par là. Ça passe par l'enregistrement de ça. Je suis à 100% Non. Par contre, je suis à 100% de ce que je peux te donner, oui. Et j'essaie de le faire avec le plus de, de bienveillance, avec le plus pour me rendre le plus utile possible. Et ça, c'est important pour moi. Voilà ce que je voulais te partager sur le fait de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est hyper important parce que ça nous déculpabilise. Du coup, ça nous permet de passer à l'action. Plus facilement, ça nous permet de ne pas rester dans un mode perfouettard. Ah non, j'aurais dû, ah non, j'aurais dû, ah non, j'aurais dû. Non, on peut s'entraîner sans être à 100%. C'est OK, mais on va s'entraîner, on va pratiquer. Ça, c'est important. Avoir ce mindset-là, même si je ne peux pas euh, être euh, méga performant, bah, j'y vais quand même. Parce que l'important, ce n'est pas la performance. L'important, c'est la constance. Donc, je vais m'entraîner. Je reste en mouvement. Je reste en mouvement. Et après, il va y avoir les oscillations. Des fois, je suis à 100%, des fois, ben, je suis à 80%. Par contre, à chaque fois, je vais mettre une intensité. À chaque fois, je me dois à moi d'y mettre tout ce que je peux y mettre. Parce que c'est là où on construit une estime. C'est là où on construit une confiance. C'est Une confiance en soi, ce n'est pas forcément dans le truc une assurance de soi. Par contre, j'ai confiance euh, quand je dis quelque chose. Par exemple, quand je me suis engagé dans le processus d'apprendre la capoeira, euh, j'ai confiance en moi parce que je sais que je ferai les efforts pour. C'est pas que euh, je suis capable de gérer toutes les situations, non, c'est à dire que dans le processus, je me fais confiance parce que je sais que même si je suis pas à 100% j'irai quand même. et ça c'est hyper important d'avoir ce mindset là, faire de son mieux. Je peux tout donner, je canalise les 120, non, je vais me faire mal, je reste à 100%, je suis un peu moins, eh ben j'y mets de l'intensité. et en même temps, ce que je peux te donner, même si c'est peu, je me le donne. C'est hyper important. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses euh, en commentaire. J'aimerais bien qu'on échange un petit peu plus euh, euh, là-dessus. D'ici là, des bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. À mardi prochain. Ciao.